Alors à ta place, je la ramènerai pas trop avec Xavier, parce que sa femme, elle a peut-être 3 enfants, mais ça l'empêche pas d'être directrice marketing à plein temps, elle. C'est dégueulasse. Je suis écœurée, pardon. Oh non. Non mais ça va, fais pas ta crise, c'est bon, reviens. Vraiment un gros con, moi. Non mais, hé, chérie, t'attends. Excuse-moi, je voulais pas, excusez-la. Mais attends-moi, merde. Allez Lopez, c'est la fin de ton temps de parloir, tu retournes en cellule. Allez, viens. Oui, mais ça avec Emma, c'est pas possible. Ah bon? Non. Dis tout de suite que je suis un boulet. Non, mais non, c'est cool. Mais non, mais je dis pas ça. Je dis juste que si t'avais pas voulu faire un gosse si vite, bah t'aurais pu monter en grade et on aurait de vrais salaires aujourd'hui, voilà. Par exemple, je mets en jeu le jeu à l'américaine. Comme ça, je fais un bel éventail. Et jeune homme, quel est ton prénom? Benjamin. Quelle mémoire! Bravo Benjamin, prends une carte s'il te plaît, n'importe laquelle. Celle que tu veux, bah si c'est Benjamin. Bon bah voilà, en fait, on va avoir un bébé. Oh non! C'est pas vrai! Oh, c'est génial! Oh, bravo! Bon truc! Ah allez, oui! Un peu d'eau. Santé, on fait. Félicitations, bravo. Merci. Allez, c'est maman. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que vous foutez là? Y'a plus que vous. Vous avez pas envie de vraiment construire un truc? Bah, c'est. Bon, allez. Hein? On leur dit, comme vous insistez. Voilà. Cédric est noir. Ah, pardon, tu voulais pas le dire tout de suite? Ah, excuse-moi. Je savais pas.